نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بفخير ابن ساكن إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tout louange et tout remerciement à Allah Rabbul Alamin. C'est pour ce faveur et ce permission qui va le bon action lui être accompli. Tout louange et tout remerciement à Allah Rabbul Alamin. C'est pour ce faveur et ce permission qui nous peut rassembler dans sa nuit là, dans sa masjid là, afin qu'il nous rappelle nous-mêmes concernant din Allah Rabbul Alamin. Alors nous faisons avec Allah Rabbul Alamin qui, pour ce petit moment qui nous pensons là, qu'il fait ce moment-là un moment de bénédiction, Mubarak, qu'il fait ce petit temps-là, le temps côte, le moyen pour faire l'outil dans dire Allah Rabbul Alamin et nous demandons Allah Rabbul Alamin qu'il accepte ses efforts, qu'il nous fait faire, qu'il nous la case et vienne dans la case Allah Rabbul Alamin pour venir écouter parole Allah et pour écouter parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ben Faya et Ben Shakina Iman, très bientôt, nous pouvons accueillir le mois Ramadan. Le mois Ramadan, c'est ça même plus grand mois de considération Allah Rabbul Alamin. Ben a dit que chaque musulman compte se valer, compte se grandir et sur l'importance. C'est un mois qu'Allah Rabbul Alamin fait mettre à nos dispositions afin qu'il nous gagne ta quoi, afin qu'il nous gagne ta quoi, nous augmente, nous bat de bonnes actions, nous gagne récompense en quantité, nous gagne le pardon d'Allah. Alors, mes frères et mes soeurs qui ont l'iman, quand nous gagnons le mois Ramadan, qui quantité est riche en termes de récompense? Quelle quantité les riches en termes récompense depuis Allah Rabbul Alamin. Mais plus grand l'objectif, plus grand résultat que Allah Rabbul Alamin lui attend depuis ce même serviteur, c'est que ce serviteur-là lui réalise ta quoi à travers sa grand ibadat qui appelle Suyam, qui appelle Rosa. Allah Rabbul Alamin lui dit: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أوبن كيف نام الإيمان في نبقسخي الوزد الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Pareil que moi, في نبقسخي الوزد كي تي avant زد. Pour qui raison, quel objectif? لعلكم تتقون. Afin que je gagne ta croix. Alors, mes frères et mes soeurs qui ont l'Iman, souvent des fois, nous entendons que ta croix c'est la frayeur pour Allah, la paix pour Allah. Mais la vraie définition qui est plus correcte, c'est qu'il nous met une barrière entre nous et désobéissance à Allah. Qui veut dire nous présents dans l'obéissance à Allah, nous présents dans tout banna. L'obligation, le commandement qu'Allah Rabbul Alamin fait de nous,
et nous abstenir depuis tout ban péché, ban désobéissance, ban quelque chose qu'Allah Rabbul Alamin fin demande nous pour rester loin. Alors, ben, frère et ma soeur qui est l'imam, le mois Ramadan, c'est un grand mois. C'est un mois souillant. C'est un mois qiyam, le début de faire salat. C'est un mois Coran. Allah Rabbul Alamin fin descend le Coran dans le mois Ramadan. C'est un mois de dua. C'est un mois quand Allah Rabbul Alamin les libère dans chaque la nuit, ce van esclave depuis l'enfer. C'est un mois de pardon. Allah lui pardonne ce van serviteur. C'est un mois quand Allah Rabbul Alamin lui accorde nous une quantité de récompenses. Mais tout ça là, van frère et van sœur qui est là, iman, garde rosa, accomplir salat, faire salat ou tarawih, faire qiyam ou layl, demande du'a, alors tout ça va ibadat là, les vins reposent l'eau une petite chose qui est bien important. Le mois Ramadan, c'est lui qui a envie de profiter avec ce mois-là. C'est lui qui a envie de profiter avec le mois Ramadan. Veut dire quand Ramadan finit de commencer, quand il pégote de rosa, alors sa rosa-là vraiment peut aider lui pour qu'il produise ta croix dans lui. Et une petite chose qu'il est besoin de prendre compte. Et une petite chose qu'il est besoin de donner une grande considération. C'est accueillir le mois Ramadan avec un liquide qui est propre. Accueillir le mois Ramadan avec un liquide qui est propre. Qui fait, parce qu'il va le faire, il va le faire qu'il a iman. Un djimoun qui peut profiter avec le mois Ramadan, c'est celui qui finit accueillir le mois Ramadan avec un contentement, avec un amour, avec une dévotion pour qui les pratiques ibadat Allah. C'est lui qui finit envie de profiter avec le mois Ramadan, c'est un djimoun qui lui peut disposer, sacrifier ce mal désir, prend patience d'avoir une ibadat pour faire Allah Rabbul Alamin plaisir. Et surtout, comment on finit dire, comme Allah Rabbul Alamin, les fins informe nous, fin prescrire aux allons nous, afin qu'il nous gagne ta croix. Alors, ben frère, et ben sakina iman. Ta croix, c'est provision, qui nous tous nous ont besoin pour qu'il nous parcourir, nous ban chez nous, l'eau salatier là. Allah Rabbul Alamin, il dit, en provision Dieu. فتزود فإن خير الزاد التقوى en provision Dieu quand certainement les meilleures provisions c'est taqwa. Veut dire un djimoun pour qu'il y accomplisse salat, il besoin djimoun qui n'a taqwa dans lui. Il besoin djimoun qui n'a taqwa dans lui. Si un djimoun qui n'a taqwa, il va vous faire salat. Un djimoun qui peut accomplir ben l'obligation, il peut mettre en exécution ben l'eau d'Allah. Ça dit mon là, faut dire dans lui, il a ta croix pour Allah. Faut dire, il a la paix pour Allah, il paie bénition Allah. Faut dire qu'il y a un djimoun qui, il peut protéger lui contre, ban péché, ban désobéissance. Mais sinon, un djimoun, quand nous trouve lui, il délaisse ban l'obligation, et il rentre dans ban haram, il continue dans ban haram, il peut assister dans ban haram, c'est quand il fait payer ta croix. Ben frère, ben frère, qui est la iman, alors, pour qu'un musulman y profiter avec le mois Ramadan, les dire qu'il gagne ta croix, un parmi les préparations importantes qu'il y bisait faire avant le mois Ramadan rentrer, c'est qu'il y bisait commence prépare pour purifier son liquide. Il bisait commence pour purifier son liquide. Qui fait? Parce que liquide, c'est sa même place que ta croix d'y rentrer. La frayeur pour Allah, Rabbul Alamin, l'y rentre dans l'équerre. Mais si un djimoun, ce l'équerre, l'y a l'équerre qui est malade, l'y a l'équerre qui a un désir, une passion là-dedans, alors, ça djimoun là, ce l'équerre, l'y pas pour capable combattre ce qu'il appelle un désir. Ben passion. Allô, ben frère et ben soeur qui est l'iman. Pour qui nous comprend, qui fait nous l'équerre, l'y est important pour qu'il nous purifie,
avant qui nous accueillions le mois Ramadan, c'est parce qu'il nous touche par God Rosa avec l'objectif pour gagner ta croix. Nous touche par God Rosa avec l'objectif pour gagner ta croix. Mais qu'on va faire, il va se faire l'iman. Si un djimoun, se l'équipe est malade, alors qu'on est qui s'en équipe là, il y a une équipe qui n'est pas capable de faire ta croix. Qui fait, prends-le comme ça, l'équipe, comme un récipient. Un récipient pour qu'il nous garde de l'eau là-dedans. Quand nous vide de l'eau là, il reste, il garde. S'il ne faudrait pas les soigner. Faudrait pas qu'il y ait un trou. Faudrait pas qu'il y casse. Parce qu'un récipient qui finit troué, nous vide de l'eau là-dedans, de l'eau là, il peut sortir, il peut perdre. Alors, nous l'équerre, si, dans nous l'équerre, il y a une maladie, si dans nous l'équerre, il y a une maladie, qui sait une maladie là, il peut affecter nous l'équerre. Les pour faire pareil, comme on dit, ben, trop dans nous l'écrire. Alors, quand t'as pas pour rentrer, les pour perdre. Les pour glisser, les pour aller. Alors, qui s'appelle maladie là, ça? Alors, avant qu'il nous guette cette maladie là, ben, frère, dans le cercle d'Iman, qu'on est, qui Allah, Rabbul Alamin, les filles, tiens-nous pour qu'il nous prend soin de nous l'écrire. Parce qu'il y a l'écrire, qui pure, qui propre, c'est ça même l'équerre qui peut profiter d'un djimoun les jours du Qiyama. Dans surah 26, ayat 88, Allah dit « Yawma la yanfa'u malun wa la banunun illa man atallahu bi qalbin salim » Jour Qiyama, jour que ni l'argent et ni les enfants pour apporter qui qu'elle profite, excepté celui qui fait une présente devant Allah avec un l'équerre qui sait et sauf un l'équerre qui n'est pas malade, un l'équerre qui pure, un l'équerre qui pure. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les filles mettent nous en garde concernant un équerre qui est malade, un équerre qui a une maladie là-dedans. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il y a un bout de la viande dans l'écho, s'il est correct, l'écho là en entier pour correct, et si il est gâté, il est corrompu, alors l'écho là en entier, il est pour gâté. Alors le prophète dit, eh bien, c'est le cœur. C'est l'équerre. Alors, mon frère, et mon chèque, l'imam. Nous, l'équerre, qui peut accueillir le mois Ramadan, nous, bisa, commence purifier. Nous, bisa, commence nettoyer. Premièrement, depuis ce qu'on appelle Shirkul Asra. Veut dire, faire action pour l'Ijé Djimoun. Faire quelque chose pour faire Djimoun, demander qu'il m'a fait faire telles affaires. M'a fait faire telle bonne action. Alors là, Ramadan peut venir. Commence à purifier nous les cœurs depuis sa maladie là, qui appelle Ria et Soma. Veut dire, fais action pour faire Djimoun trouver. Fais action, ensuite raconte Djimoun pour Djimoun tendre. Alors, mon frère, il va se faire iman. C'est une maladie bien grave. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il tient à la frayer pour ce bon sahaba concernant Ria. Plus qui, ce qu'il appelle la frayeur pour Dajjal. Alors, mon frère, mon frère, mon iman, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, l'équerre, il est roi et ban organe, c'est sur l'homme. Si le roi là vient mauvais, sur l'homme aussi vient mauvais. Alors, donc, mon frère, mon frère, mon iman, première maladie qui nous vient enlever depuis nous l'équerre, nous vient déjà à Ria. Vedia n'a pas fait action pour l'Ijé Djimoun. Parce qu'un Djimoun, si il peut garder Rosa, il peut faire crier à Moulay, il peut faire Tahajjud, il peut lire le Coran, il peut faire Sadaqa, il peut faire Zakat, il peut faire une bonne action qui a une grande récompense, mais il peut faire ça pour l'Ijé Djimoun, il pas pour gagner une récompense. Si il peut faire ça pour faire Djimoun, tant qu'il finit de faire, il pas pour gagner une récompense. Par exemple, un Djimoun, c'est qu'il fait dans la nuit, lit avec Allah, lit entre Allah, personne ne va connaître. Mais ça, c'est pour là qu'on arrive dans le matin, il dit non, tu connais, mais moi, je ne vais pas faire Tarawih dans Jamaat, parce qu'il est dans la nuit pour l'éveil, depuis une heure du matin, je lis un sipara complet dans mon matin sur l'art. Personne ne va te faire comme ça.
Mais du moment qu'il s'est dit mon nom, il vient faire, il vient comme ça causer là pour faire du monde tourner. Et t'es là vraiment. C'est faux, il est bien faux. Cela est en chaud, il vient pour faire du monde tourner, alors il perd ses récompenses. Alors donc, ma frère, ma soeur qui est l'imam, ça, il est bien grave. Ria est ce qu'il appelle Souma'a, il est bien grave. Alors donc, ma action qui nous peut le faire dans le mois Ramadan, faire une façon qui, quand nous peut faire lui, nous n'a pas fait lui pour l'hygiène du monde, ni nous fait lui pour sauver du monde, mais fait lui pour Allah, Rabbul Alameen. Fait lui pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, des gens qui tuent, c'est qu'un dimon, les bizarres rencontrent ben une maladie qui fait une attaque sur les guerres, telle comme l'arrogance. L'arrogance, ben frère, ben soeur, qu'il a iman, c'est une maladie qui est vraiment bien grave, parce que l'arrogance est une de ben qualité de Iblis, parce que Iblis, Shaitan, les fin refuse pour faire sajda. Pour Adam alayhi salam, malgré qu'il tienne l'eau depuis Allah, qui fait, c'est l'arrogance qui tient à lui. Alors, si un dimoun, lui bien envie, accueillir le mois Ramadan et bénéficier ta croix à travers son siyam, alors il visait profonde sur l'équerre, enlève l'arrogance qui est là depuis sa l'équerre. Enlève l'arrogance qui est là depuis sa l'équerre, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas content, ben, du monde qui est arrogant. Allah, Rabbul Alameen, il dit, il n'a pas pour rentrer dans Jannah, c'est lui qui a l'arrogance, grandir, grossir, et la remontante. Alors, ô toi qui, peux voulez bénéficier de ta croix, qui peut envie de gagner ta croix, alors, prends compte tous les cœurs. Si jamais il a l'arrogance là-dedans, enlève sa arrogance là. Élimine sa maladie là. Parce que c'est une maladie bien grave. Ben, arrogant pas pour rentrer dans Jannah. Ben, arrogant, je n'ai pas pour rentrer dans Jannah. Ça, c'est une deuxième maladie. Une autre maladie encore, qui nous disait, purifier ça, purifier nous les cœurs depuis ça, c'est la jalousie. La jalousie, c'est une maladie qui est dans le monde. Et c'est une maladie du ben peuple ancien. Moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, maladie de ban peuple ancien, fin rampé, fin vine jusqu'à eux, il dit, la jalousie, elle parmi. Alors, la jalousie, c'est qu'un dimon, lui souhaitait qu'il se frère, perdu, favier, qu'il fin gagné. Et la jalousie, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui fin met nous en garde concernant ça. Qui fait, hein? La jalousie, il fait un dimon pour faire beaucoup de péchés. Par exemple, un dimon qui jaloux son prochain, qui jaloux son frère, il trouve son frère là, il n'y a pas de travail. Et un poste de travail, qui nous capable de dire, vraiment, dimon, il dit comme ça, c'est pasteur ministre, bizarre pasteur intel, pour gagner son travail là. C'est une braille pour gagner son travail là. Ou ça pour gagner son contrat là. Mais lui, ça dimon là, pour permission Allah, il gagne lui. Sans qu'il passe pas par le chemin haram, par le chemin travers, ou soit à le supplier qu'il gagne. Mais Allah, Rabbul Alameen, finit de lui ce travail-là. Alors, un dimon qui zalou, qui dit vous dire. Un dimon qui pas content, dit bien pour ce projet, qui dit vous dire. Mais ça, dimon-là, il donne braille. Il n'a pas trouvé, il n'a pas entendu, il n'a pas connu, non, rien dit. Mais qui est arrivé, la cause qui lui zalou, sa prochaine-là, qui lui fait, il vient mettre un blâme, là, ça, dimon-là. Alors, la jalousie, fait un dimon, mettre blâme l'eau sur prochain. Rose mentir l'eau sur prochain. Et ce qui est plus grave encore, la jalousie, c'est qu'il fait. Il fait un dimon pas satisfait avec ce qu'Allah fait décréter pour ce prochain. Alors donc, ma frère, ma soeur, qui est l'imam, la jalousie, c'est une maladie qui est vraiment bien grave. Qui l'entraîne jusqu'à l'amour. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait une cause beaucoup concernant la jalousie. Alors, ma frère et ma soeur, qui est l'imam, c'est une maladie qui nous besoin de dire, guéris nous l'équerre depuis ça. Parce qu'il y a une équerre qui est dans la jalousie dans ça. Ta croix pas pour entrer. Iman, pas pour entrer. Alors, si jamais il y a quelqu'un
Il y a qui jalousie envers quelqu'un, alors qu'il fait tauba, qui lui purifie son équipe depuis sa maladie là, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, accorde lui gagne ta croix, lui bénéficie ta croix depuis sa rosa qu'il gargonne là. Un parmi encore ma maladie qui lui faisait purifier nous l'équipe depuis ça, c'est la rancune. Rancune envers frère sœur, envers mes parents, envers mes musulmans, alors mes frères et mes sœurs qui sont iman. Un vrai musulman, c'est celui qui compte du bien pour s'offrir, pareil comme il compte du bien pour lui. Un musulman n'est pas qu'il doit souhaiter le mal dito à son prochain. Un musulman, même qu'il y ait une difficulté envers, mais dire depuis ce prochain, il n'est pas seul dito pour lui, mais par contre, il fait doua. Il fait doua pour lui. Il dit Allah, guide-lui. Mais rancune dans les cœurs, les amène vers ce qu'on appelle tourne les deux. Depuis chacun, casse relation. Alors, connais ma frère, ma soeur qui est là, imam. Si un dimanche, il y a rancune pour souffrir. Il casse relation avec son frère, avec son sœur. C'est un grand péché. Moi, le prophète dit, il n'est pas pour rentrer dans le jannah, c'est lui qui fait une casse relation aux familles. Et si un dimanche, il fait une casse relation avec son frère, il n'est pas fait une cause avec son frère, il y en a 6-3 jours pour faire ça. Pour pas causer. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, mais il y a parmi, c'est celui qui a le fin de ce prochain, il fait faire ça là. Alors donc, un musulman qui peut accueillir le mois Ramadan, faudrait pas qu'il dans son équipe, là maintenant, il y a une rancune pour s'offrir, il n'y a pas mis qu'aux orignes à 5 ans, 6 ans. Faudrait pas qu'il s'en frère là, il peut oublier accueillir le mois Ramadan, mais c'est même dans son équipe, il y a dégoût pour s'offrir, ce siècle qu'il a iman. Oui, il n'est pas fait rien, oui, il n'est pas avant tout, il y a raison, mais seulement, ou devant Allah, Rabbul Alamin, ou pas qu'il va agir comme ça. Ça qui dit, moi, ne pas comprendre. Oui, ça va, il a mal fait avec moi. Mon frère mal fait avec moi. Mon ciel mal fait. Je n'ai juste avec moi. Je ne prends tout pas, je ne demande pas. Oui, je t'entoure. Moi, mon raison, mais seulement, du moment qu'il y a une casse relation, du moment qu'on a rancune, ou on a l'ennemité dans l'équipe pour jeune, ça devant Allah, ou entoure. Je t'entoure, je t'y. Mais où vis-à-vis Allah, où est le taux qui vous fait sortir le ou la tête, où vous casserez la sous famille. Alors, ma frère, ma soeur qui est dans l'imam, c'est qui plus grave encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fait nous connaître qui, ban qui fin casse relation, ban qui fin tourne les deux. Je ban action n'a pas mon contre Allah subhanahu wa ta'ala. Cette banaction n'a pas monté aussi longtemps qu'ils ne t'ont pas réconcilié. Je dis, un djimoun, il peut faire salat. Un djimoun, il peut garder rosa. Un djimoun, il peut faire hajj. Un djimoun, il peut faire beaucoup d'ibadat, beaucoup d'actions. Sa banaction-là, il n'a pas monté aussi longtemps qu'il fait une réconciliation entre eux. Alors, mon frère et ma soeur qui est l'imam. Est-ce qu'il peut continuer comme ça? Est-ce qu'il peut oublier accueillir le Ramadan avec un léguier qui rompt avec la haine, l'ennemité, dégoût? Alors, ça ne pas gagne droit. Fais un premier pas. Fais un premier pas, la cause Allah. Oui, vous pardonnez. Oui, mon excuse, la cause Allah, Ramadan peut venir, mon vie profiter. Mon vie, mon léguier propre. Mon vie, mon léguier plein de rancune. Mon vie, mon action montée à côté Allah. Alors, mon trouve ça frère là. Salam alaikum, mon frère lien salam. Le meilleur, c'est celui qui fait salam en premier. Mon frère lien salam, mon djali, oubliez le passé, nous guettons devant, Ramadan Pécosté. À nous, purifiez-nous, depuis nous, mal propre. Si Baïla est accepté, alhamdulillah, c'est une bonne chose. Parce qu'Allah nous dit nous qu'on réconcilie. Allah, pour Allah, il n'y a pas de temps de la guerre, mais ça qu'il y a de son côté, et vous sortez à coup de sable, ou soit tu fais crime. Non! Il dit nous réconcilier. Allons nous réconcilier pour la cause Allah. Maintenant, si ça dit, il n'est pas où, il n'est pas d'accord. Mais devant Allah, il fait nous efforts. Devant Allah, pas si c'est faux, nous sommes gagnants. Qui fait une crasse, nous égo qui est dans nous. Nous finissons accepter pour purifier nous les cœurs,
pour mettre de côté nous pas rancune pour les plaisirs d'Allah, mais les pas fin d'accord, alors donc pas faire iman sakina iman, ça les pas rendre compte contre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la rancune amène l'amitié. Et un musulman, pour son autre frère musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qu'il y a un musulman, son richesse est sacrée, son disant est sacré, son honneur est sacré. Mais quand il a tout ça, la maladie, la jalousie, rancune, l'amitié, l'arrogance, alors, qui lui peut amener ça? L'hypomène, c'est ce qu'on appelle casser la chaux. L'hypomène, c'est ce qu'on appelle tourner les deux depuis sa canne. Et ça, c'est quelque chose qui, Shaitan, Iblis, l'est content. L'est content comme un musulman, je ne n'ai pas, veut dire, mais causer, je l'est content comme un musulman. Fait une casse relation, alors, ben frère, et ben sakina iman, Allah subhanahu wa ta'ala, l'est content pour donner. Allah dit, inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Certainement, Allah l'est content, man qui répandit. Qui ça va qui répentir? C'est celui qui fait faire un erreur, un péché vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il regrette, il demande à Allah pardon. Mais si nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos camarades, ils font un erreur envers nous, ils ont tort, ils ont raison. Ils ne peuvent pas faire ça. Nous disons, ils ne peuvent pas faire ça. L'amitié qui m'a été pour lui, l'estime qui m'a été pour lui, ils ne peuvent pas agir comme ça en moi. Oui, il n'y a pas de gagner, mais il y a une insane d'agir. Faiblesse iman, il finit agir. Mais qui nous dit, vous ne pouvez pas pardonner tes amis? Est-ce qu'il nous gagne droit de dire ça? Alors, comment vous pouvez pas avoir accueilli le mois Ramadan avec un léguer qui m'obéit à moi, je ne peux pas pardonner, mais seulement moi, tous les jours, je vais lever la main avec Allah, oh Allah, pardonne-moi. Seulement moi, je vais lever la main, je vais dire, oh Allah, pardonne-moi. Si Allah Rabbul Alamin lui disposait pardon tout péché qu'un djimoun fin faire, excepté chef. Allah lui disposait pardon tout péché. Allah qui dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dieu va servir qui fin exagéré d'en faire péché. N'a pas désespéré d'en pitié à Allah. Allah lui pardonne mon péché, tout mon péché. Si Allah Rabbul Alamin lui disposait pardonne nous, et dans chaque la nuit, il pouvait libérer du monde depuis l'enfer, comme le prophète dit, dans Ramadan, ah mais moi, je mourrais avec ça, les kérèmes, non. Moi, pas pour pardonner, moi, pour ce qu'on m'a dit, pas qu'aux orlis, comme il a dit, je vais mettre un roche sur mon équerre pour lui. Ça, le musulman, pas qu'un droit, pas qu'un droit, pense comme ça, cause comme ça. Alors, ma frère, et ma tsekina iman, le mois Ramadan est fini. Alors, nous bisons commence. Nous bisons fini commence préparer nous. Malheureusement, plus qu'en préparation qui va dire nous faire pour Ramadan, nettoyage. Combien il donne fini tirer commence laver là. Combien fini commence laver, nettoyer. Combien fini commence préparer ce van gâteau, ce van iftar. Combien fini commence préparer ce plan manger tel jour qui plan manger pour là. Ça, c'est pas une préparation, ça veut faire. Préparation pour accueillir le mois Ramadan, nous prépare spirituellement. Et, moi, mon fin de dire, plus grande préparation, c'est qui commence à préparer ça, l'équiela. Faire ça, l'équiela, content, pour le vivre dans l'obéissance. Allah, Rabbul Alamin, pour le vivre dans un mois de l'obéissance. Parce que ça, l'équiela, du moment qu'il est malade, l'iéna, c'est qu'il appelle désir, ma passion. Et il peut dans l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est sa qualité d'imouna même qui on peut trouver dans le mois Ramadan. Mais pourquoi de Rosalie? Mais seulement dans ce rosa, il y a zouré. Dans ce rosa, il y a cause menti. Dans ce rosa, il y a encore peko kadimoun. Dans ce rosa, il y a encore peko de la musique. Alors, ma frère, ma soeur, il y a iman. Qui qualité, moi, Allah, Rabbul Alamin, fait mettre à nos dispositions. Un mois qui remplit avec récompense. Dans ce rosa, dans ce salat, dans ce qiyam, dans ce tarawih,
dans son Coran. Anouban frère, Iman Sekina, Iman. Ramadan, c'est un mois, rosa. Et sa rosa là, son objectif, c'est la croix. Mais nous trouvons beaucoup de monde qui garde rosa là. Beaucoup de monde qui garde rosa là. Mais c'est moi qui est arrivé, quand nous sommes après le mois Ramadan. Quand nous sommes après Ramadan, là nous parlons vraiment qui sera son rosa, il n'a les fait le lit. Nous posons même la question, comment est possible ça? Un djimoun pendant un mois, il garde rosa. Il fait son ratanaoui. Il fait tahajjoud, il fait qiyam. Il fait mal bon action. Mais c'est le moment qui est arrivé, Ramadan terminé. Ça nous trouve l'île, nous avons déjà trouvé. Comment arrive le premier Shawwal, Zou'id? Il fait Fajr, il fait Salat Eid. Allah, il a fait Salat Zouha. Zouha, il va se bouillir, il finit l'eau. Arrive à Samsi, il peut caper. Arrive Maghrib, il peut dîner. Arrive Echa, il est fatigué. Fatigué? Et là, il oublie, il s'est assis là pour faire. Tellement, il peut amuser, il peut faire rien. Mais il pose-nous la question. Combien de monde qui hier, Ramadan, sur le premier Shawwal, hier, c'est Ramadan, 29 ou 30 Ramadan, l'une garde rosa, l'une fait salat tarawih pendant un mois, l'une fait 5 fois salat pendant un mois, mais c'est le premier Shawwal même, il fait. Mais pareil, combien de monde, il a entraîné un mois pour aller galoper dans une compétition. Comment les cousins, là, ok, ils galopent, ils sont fatigués. Mais, dis-moi, vous dites, qui a entraîné ça? Un djimoun galopé est entraîné pendant un mois par l'écouse, par le galopé. Alors, arrive toujours compétition là. Comment on n'est pas galopé après que je suis fatigué? Mais djimoun m'a dit, mais ça va là, tous les jours il a galopé, tous les jours il a entraîné, mais je suis galopé, il est tombé, fatigué. Mais qui l'a entraîné? Et pareil, un djimoun pendant un mois il faut faire 5 fois son lad. Arrive premier Shawwal, il finit 4 son lad. Mais qui a des problèmes ça? Un grand problème. Alors, le problème là, il vient sur l'équipe. Pas fin d'accueillir le mois Ramadan avec un l'équipe qui est content pour faire l'ibadat Allah et ensuite pour content pour continuer à faire l'ibadat Allah. Il y a un l'équipe qui finit d'accueillir le mois Ramadan comme une routine, une tradition, une formalité. Ramadan, bienvenue, bégat Rosa, bégat Iftar. Oui, une tradition, une routine. Mais c'est à faire une formalité. Alors, ma frère, ma soeur, l'Iman, nous trouvons tous les années ça. Hijab, une fille envolée, djilbab, une fille mettre dans le coin. Premier Shawwal, même, qui fait parce qu'il savent dit mon là, je n'ai pas fini d'accueillir le mois Ramadan avec un léquier, qui sa léquier là, il est sincère envers Allah. Ou Allah, ça Ramadan là, mon peut m'étayer. Ça Ramadan là, mon peut plus sincère. Ça Ramadan là, mon peut continuer à maintenir le tout. L'obéissance. Alors, mon frère, mon soeur, l'Iman, quand nous guettons le mois Ramadan, ce ban ibadat qui est là, et surtout, Coran. Coran, Allah Rabbul Alamin, fin descendu dans le mois Ramadan, Laylatul Qadr, et Allah qui dit, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لما رمضان لو كان في الدسان القرآن هدى للناس. أن جيدانس كبانجمون. يا الله كي جيدا سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه. Ça c'est un livre qui peine à nous donner. هدى للمتقين. أن جيدانس كبانجمون. كبان كنا تقوى. بأنجمون دار رمضان بقاط روزا Rosa fait ligue avec taqwa, et dans le mois Ramadan, il peut lire le Coran, dans le mois Ramadan, il peut faire salat tarawih, il peut écouter le Coran. C'est un grand entraînement qu'Allah, Rabbul Alamin, fait de nous, pour qu'il nous continue à vivre dans son obéissance. Nous vîmes plus sérieux qu'il nous tchétait. Nous vîmes plus fort en termes de taqwa et iman. Mais ça dit mon là, il garde Rosa, comme on dit, ça dit mon là, il finit faire salat tarawih, et il dit, où il termine le khatm le Coran, mais qui est arrivé après? Qu'est-ce qui est arrivé? Pas fini la taqwa.
Et absolument, moi, j'aime Bretson, Bretson, je me rappelle ça, non? Ou vite des lolos, là, qui arrivent. Ils glissent, là. Alors, on fait un match avec un aliment. Nous, bizarre, purifier, nous, les guerres. Et ça, les guerres-là, nous, pas pour qu'on purifier, nous-mêmes, ça. Mais dire, ce qui m'a dire, nous, pas pour qu'on commence à faire matériel pour purifier. Premièrement, c'est nous-mêmes qui visons des sites pour purifier. Parce qu'Allah lui passe en onze, un peuple aussi longtemps que le peuple n'a pas décidé de plus en onze. Après, décide pour faire changement. Décide pour sens à l'équipe là. Et ensuite, il demande à Allah dua pour qu'il fasse nous tenir ferme dans ce l'obéissance, dans ce digne. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'il, certainement, les qui les trouvent en bas des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, les tournent les comme à l'envie. À quoi ça me rappelle les kalb? Kalb veut dire quelque chose qui les virait, les renversait. Un démon dit bien, je vous dis avec son frère, dit bien à cause de ces affaires, il n'est plus bien, il est en colère. Il dit l'ennemi. Il est l'ennemi, je vous dis incorrect. Je vous dis non, on vous donne toi telles affaires, dit bien, arrive dans ma tête, non, on va vous donner toi. Les qui les renversait. Alors, nous disons devant Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il les maintienne, nous les guérisse dans son obéissance, dans sa soumission. Parce qu'il est guérisse, mon frère, il va se faire iman. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, un djimoun n'a pas, son iman n'a pas pu stable aussi longtemps qu'il se l'équerre n'a pas pu stable. Si un djimoun se l'équerre pas stable, son iman n'a pas pu stable. Et un djimoun se l'équerre pas pu stable aussi longtemps qu'il n'est pas stable. Dieu ce iman n'a pas pu stable aussi longtemps qu'il se l'équerre pas pu stable. Et ce l'équerre n'a pas pu stable aussi longtemps qu'il se l'a. La langue n'a pas pu stable. La langue, il n'a ce l'effet de l'équerre. On vit où l'équerre vient de l'équerre propre, contrôle la langue. Et quand nous venons le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne tout mal préparation, il met tout mal l'entraînement. Nous avons de Rosa. Rosa, c'est pas seulement rester sans manger, sans boire. Mais la langue-là, ici, quand Rosa. La langue-là, il faudrait pas lui cause mentir. La langue-là, il faudrait pas lui donner un faux témoignage. La langue-là, il faudrait pas lui agir dans malhonnêteté. Alors, un démon qui, dans le mois Ramadan, il contrôle sur la langue. Les gens ont ça, moi, là, vous dites, moi, pas vous ouvrir. Moi, Rosa, moi, pas vous ouvrir. Il pas vous ouvrir. Un démon qui garde Rosa, les préserve sur la langue pour une cause inutile, moi le prophète dit, c'est lui qui n'a pas fait une délaisse par une parole mensonge et fait action basant le mensonge. Allah n'a pas besoin qu'il délaisse manger et se boire. Alors donc, ma frère, ma soeur qui est là, l'imam, un démon les préserve sur les cœurs pour préserver sur la langue. Dis-moi, il préserve sur les kéas, pas préserve sur la lame, et Ramadan, comme on veut dire, Rosa, c'est pas seulement Rosa manger, boire, et sans manger, sans boire, mais aussi parole, contrôle nous parole, contrôle nous la lame. Moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement, ban, pas aussi de nous l'écho, je devine devant la lame, je te fais ça, je te dis, oh, toi la lame, tu n'y fais, la signification là, si toi te fautais, nous, tu nous tassais. Et le prophète qui tire, c'est lui qui préserve ce qu'il a entendu la mâchoire et ce qu'il a entendu la jambe, vous donnez la garantie. Tiens. Alors, mon frère, ma soeur, qui est là, l'imam, pour qui sa rosa qui nous paye garder là, qui a l'effet, nous, nous l'équerre, il y a beaucoup d'actions en dit au rosa qui nous disait, prends en considération. Et parmi ce qui, nous parole, nous la lame, quand nous paye garder rosa, pas cause menti, même de badinage, pas cause menti. Quand le pégard de Rosa n'a pas zouré, quand le pégard de Rosa n'a pas donné mal fausse témoignage, n'a pas agi dans malhonnêteté avec nous la langue. Parce que tout ça, un petit manquement qui nous fait dans nous Rosa, il est l'effet de nous Rosa. Il est l'effet de nous Rosa. Et diminuer la force de nous Rosa.
ce qui veut dire un dimon qui peut gober rosa, il peut attendre avec ta croix, mais seulement il peut faire beaucoup de péchés. Il y a encore comment dire des souris, il y a encore comment dire des coups de la musique, il y a encore comment dire des maltraits du monde. Mais est-ce que ça va en action là? Il permet de ça du monde avec ta croix? Non. Alors ça, Ramadan là, fait comme si dirait qu'il y a un dernier Ramadan qui nous permet de vivre. Un dernier Ramadan qui nous peut trouver, Inch'Allah. Après ça, par contre. Fait une façon qui ça, Ramadan là, mobiliser fait plus meilleur que Ramadan qui m'a fait passer dans le passé. Qu'il se soit en termes rosa. Mobiliser quand on a un rosa genuine. C'est-à-dire, faire tout possible pour ne pas faire un petit péché, une petite négligence dans mon état rosa. Deuxième, ça Ramadan là, faire tout possible pour qu'il ou faire tout ou ban soirat dans l'air, dans le masjid, gain takbir avec l'imam, faire ban sunna avant et après. Mettez un target, mettez un plan. Nous dernier Ramadan ça. Nous dernier Ramadan qui nous parle vivre là, qui nous parle témoigner, Inch'Allah, après ça, par connaît. Qui nous vient faire? Nous vient faire les plus meilleurs. Alors, ban salat, lecture Coran. Fait une façon qui, au moins, nous ne termine une lecture Coran au complet. Si jamais dans la vie, on finit terminer une lecture Coran, fait ça défaut pour terminer là. Nous réfléchissons, qui nous peut répondre contre Allah, Rabbul Alamin? Est-ce qu'il nous peut pas honter nous-mêmes? Nous ne vivons comme étant nous sur la terre, jamais nous ne lire la parole Allah au complet. Quand on nous lit, on les fait, on nous l'écrit. Il y a guérison là-dedans. Il y a la tranquillité. Il y a la guidance. Alors, faire une façon de lire le Coran au complet. Mais tout plan, organise les temps. Et dans les temps là, après Fajr, ou lire le Coran. Après chaque salat ou avant chaque salat, ou lire une partie. Si nous avons un Coran qui nous lit souvent, on va dire sur la Ramida, il y a 20 pages dans un sipar. Alors, nous lire 20 pages par jour, nous terminons ici par là. Parce que nous ne pouvons pas dire. Nous ne pouvons pas dire. Nous ne pouvons pas dire dans ça. Allez, ça, où est-ce qu'Allah, on peut discuter le jour du créament. Mais au moins, ou pas avec un lire. Au moins, aujourd'hui, il a dit, on finit de lire, enregistrer, mais dans un CD, dans n'importe quelle façon. Mais le Coran là, par jour, lire. Ici par là, par jour, on a assisé, on écoutait. On a assisé, on écoutait, au moins, ou pas qu'on lire. Mais vous ne pouvez pas venir comme un zéro aussi. Le jour du Qiyama, vous dites oui, Allah nous fait zéro pour écouter ta parole au complet. Écoutez un petit parole au jour. Difficile ça. Pour assiser un temps, vous écoutez, pour assiser, vous écoutez le Coran sur la Bakara. C'est la finition. Des jours, c'est fini. Demain, vous rattrapez un autre jour encore. Tous les jours, un temps, vous faites face dans l'obéissance à Allah, vous écoutez la parole à Allah. Il aime l'effet, prenez l'effet. Prenez l'effet. Et la récompense, vous rappelez la récompense. Et la récompense, Inch'Allah. Mais c'est ici que vous ne pouvez pas faire. Allez, vous ne pouvez pas faire celle-ci. Salat ou Tarawi, Coran, Pélia. Mais vous faites une petite salat ou écoute Coran là. Alors, donc, on va faire la tchèque et l'imam. Coran, le mois de Ramadan, un djimoun, l'embellir ce bon jour, ce bon la nuit, à travers le Coran. Ensuite, nous gagnons salat. Salat ou Tarawi. وفجأة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui fait une débute dans le mois Ramadan, dans le salat, avec iman et l'espoir, Allah pardonne ce péché qu'il fait faire. Il fait une débute, il y a temps. Il a dit, moi, je trouve lui trop long. Et il dépasse 5 minutes, il dépasse, je vous dis. Il t'en dit tous les années ça. Elle va me dire, bon, bon, qui veut dire, il y a 10 minutes dans les temps aujourd'hui. C'est un bail quand il y a la nuit, il passe sur un pirogue dans la mer, noir, avec un bolet dedans sur la mer, il retourne à casa sans poisson. Pour faire pas qu'un poisson. Il va fatiguer là. Il n'est pas possible là. Il y a la nuit, il est entier, il passe dans le noir, dans le frais, pas qu'un poisson. Mais ici, 5 minutes, 10 minutes, il va me dépasser un ticket, il est fatigué.
Il y a un jeune comité, mais c'est tout. Et vous avez un imam, vous avez réglé sur la place. Moi, je vous ai terminé 9 heures. Moi, je vous ai chanté, vous avez terminé l'un seul point tous les jours. Un seul lien. Non, mon frère, ça c'est un démon qui fait les guerres malades. Le mois Ramadan, c'est un mois de patience. Un mois que nous persévérer dans l'obéissance à Allah. Et ça dit, moi, 90 minutes, il y a un football. Hein? Ça dit, moi, tous les dimanches, le matin, il y a un bat-boule. Puisqu'il est temps, des étoiles, il faut calmer, calmer, calmer. Il n'est pas fatigué. Mais pour débouter devant Allah, pour écouter la parole Allah, hein? Pour cette tranquillité et guérison sur les cœurs, il est fatigué. Et du coup, fatigué, nous avons le travail, il y a un cours dans les pieds. Tout ça, là, le temps. Ramadan, c'est un mois de dua. Pas perdre du temps, on fait dua. Dua dans les séries, dua entre Adhan et Iqama, dua dans l'état comme dans l'état de Suyam. Alors donc, ma frère, ma chèque, l'imam, Allah acceptait le dua dans le mois de Ramadan. Il y a un dua qu'Allah acceptait. Pas perdre du temps, on fait dua. Pas perdre du temps, on fait istighfar, demande à Allah pardon. Et pas perdre les temps. Les temps même, il y a une petite chose qui est précieuse. Ça. Nous, tout nous perdons les temps. Les temps, c'est nous la vie, ça. Les temps, c'est nous, nous la vie. Dans janvier, une finie. Février, une finie. Nous, dimanche, non, premier mois. Premier mois, c'est fini. Nous, perdons un jour, nous, qui existe ça, premier mois. Nous, une finie, perdons un jour dans l'existence, ça, nous. C'est un nouveau pas vers le travail, nous l'avons. Alors, Ramadan, nous, pouvons trouver que moi, Ramadan, une finie, qui vite si quoi aller. Alors, profitez de votre temps libre. Ça dit, nous, nous connaissons notre travail, notre responsabilité. Mais ça, Ramadan, ça, trouvez un petit moment. Trouvez un petit temps dans quoi encore là. Ou faites le cours là. À ce moment-là, vous pas gagné le temps même, vous travaillez même. Mais travaillez toujours. Vous êtes subhanallah toujours. Travaillez toujours. Vous pouvez faire tasbih toujours. Parce qu'il y a un tasbih qui vous fait dans le mois Ramadan. Il n'est pas pareil comme un tasbih qui vous fait maintenant. Il y en a plus valeur. Alors donc, ma frère, notre chèque et l'aliment, que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous profiter avec sa moi, que Allah subhanahu wa ta'ala lui purifie nous, depuis nous bannes maladies qui nous l'ont l'été, que Allah subhanahu wa ta'ala lui purifie nous, depuis nous bannes péchés, et y accorde nous ce faveur, y accorde nous ce qui nous veut dire, nous acquérir ta croix, parce que ta croix, nous tous, nous avons besoin de ça, pour qu'il nous capable de parcourir, nous, la vie, dans, veut dire, dans ça, et dans ça, le monde-là, jusqu'à ce que l'amour vienne vers nous, et c'est sa même provision qui nous a besoin pour qu'il nous vive un avis que Allah Rabbul Alamin lui peut être satisfait avec nous, lui content avec nous. Alors, un dimanche, du moment qu'il finit, perdre ta croix, il peine à ta croix, alors il peut perdre salat, il peut perdre ibadat, il peut perdre tout à fait, bon manière, il peut perdre ce qu'il appelle tout ce qui est Allah content, et il peut tomber dans tout ce qui est Allah pas content, il peut tomber dans le péché. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous trouver ce Ramadan-là, nous profiter avec lui, nous gagner récompense depuis Allah, nous gagner ce qu'on appelle iman, taqwa, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui veut dire quoi, nous m'a péché, nous m'a mort, et nous termine par la même, on sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, jazakumullahu khairan.